Bonjour les gars, j'espère vous avoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Agrafe ma donne les gars, mais on va pas répéter chaque fois la même chose. Arabo Romundo. Souvent maintenant, il va sur mes vidéos que souvent après ma joue, après ma reprend. Il n'y a rien d'autre les gars, seulement contre-temps les jours, il veut fra. Donc c'est ce qui fait que je suis pas assez constant sur les réseaux sociaux, surtout YouTube. Mais toute l'application est TikTok ni Instagram. Mais sur YouTube, je suis vraiment, on va dire, un fantôme ces temps-ci. Mais on va remédier à ça. Instagram, c'est la publication que les négats par semaine. Moi, ok, chaque semaine pour que vous ayez toujours de mes nouvelles. Quoi. Ouais. Donc, on sait que tu te crois que nous avons fait. On sait qu'à faire un gros découverte que nous avons fait. Chaque fois, mais ok. Pour que nous au moins un peu constant sur les réseaux sociaux. Et c'est qu'il découvre dans ma voix, vous voyez. Donc, bi, ça change pas les gars, on a tutoriel croix. Donc, j'avais composé une instrumentale pour un gars, CZGP, et il a posé là-dessus, à Barakaranga, mais à ma projet finalisé, il faut l'en exporter. Donc, je me suis dit que ce serait mieux qu'un tutoriel de Koko pour que l'on la Karatoumna, comment on fait enchaîner Toumna pour aboutir à ce résultat. Donc toujours avant de commencer la vidéo, ma femme a un abonné, la cloche de notification activée les gars, car pouce bleu blanc une vidéo j'arrive et ça me permet une vidéo croquer davantage pour que ça fasse un rôle. C'est parti les gars. Donc d'abord composition qui est en deux étapes. Première étape, une mélodie d'or composée, vous ferez un morceau vous enchaîner et mélodie folle on fera un nexus d'or, on appelle ça un plug. Allez bien dit. Puis après, nous avons un nexus qui est un piano de l'aile, ça un piano fin fragant, avec certains accords. Allez, bien dit. Puis après, pour accompagner le tout, nous sommes là pour faire un pour casser la nappe de blast en fait et apporter une nouvelle dimension à l'atmosphère de Damawa. Allez, bien dit. Les gars, il faut savoir que les compositions d'âme, comme je le dis chaque fois, il faut que il casse ses idée principale mon venant mon blanc en place. Il casse ses sur le qu'on l'a fallu avant la composition d'âme. Les compositions d'âme, souvent certains vont à l'aveugle. Oui, ça c'est un vraiment niveau professionnel. Genre ni tu as rien en tête. Et bien ici, il doit bien faire nos composer, bien faire nos gros automatiquement, avec bien faire nos matos, bien automatiquement, reverser ni effectuer ni effet de vocal à quoi. Ani alten pour casser la mélodie pour la sortir. La composition automatiquement. C'est la sera de ma première composition. Mais dans ce cas précis, le gars il est venu avec son refrain, il a refrain. Donc je me suis dit que nous avons de composer qu'il y a un refrain. Partie chambala, partie rapobala. Donc partie chain au refrain partie. Donc du coup, je me suis dit que nous devons composer qu'il y a bon. Il y a un clé à faire, on est ce qu'on aura agencé. Ça sera mieux de nous composer. Donc automatiquement, le n'y a pas de nous bébé nous sur la gamme de qu'on a. Donc il faut faire extrêmement attention avec ça. Et quand on a ta gamme recomposée, ou un et octave sous ta monté, refrain octave, ou un gars dans la octave sous gamme sous d'autre. Qui n'est pas en accord avec le refrain, qui n'est pas en accord avec la voix qu'on t'a donnée, qui ne sera pas en accord avec les trucs déjà composés de base. Donc du coup après ça, il y a plaque au refrain. Au plaque ici, on a un appui, on a une dimension. Ça, ça apporte plus un côté assez arpégio. Il y a plaque, il y a notre dos de composé pour former un certain arpégio. Je rappelle les gars, vous allez voir ce que ça va donner. Donc comme Aranya Balatoumna, ça apporte un tout petit peu de bounce niveau mélodie partout ou là. Puis après, un glara belle de Faraka, toujours dans Nexus, allez bien dit. Et pour finaliser la partie mélodie, mais on m'a fait en partie belle, on fera la partie d'Amadon Drone.
pour ajouter un petit peu de couleur, la couleur dont dit Melodium Mawa. J'ai ajouté une coura, une coura de fragrance de chez Contact West Africa. Le coura n'y a pas de gêne, il n'y a pas de coura pour la réveille de tout le monde. C'est un riff d'orgue souvent sur quelques endroits. Allez, bendi. Maintenant, coura, ça apporte vraiment quelque chose. Surtout niveau de la transition entre le pré-refrain, le refrain, le couplet niveau de la douleur. Donc, du coup, nous avons une belle manière de faire ça. Bien vrai que nous avons fait un peu de rage, nous avons fait un peu de dispatcher les blabla sur quelques endroits. Mais nous avons fait un peu ici, pas tant que nous avons fait un peu de ça donne ceci. Les gars, franchement, je m'attendais pas à ça en fait. Parce que la direction, je partais sur un truc assez atmosphérique, vous voyez. Dimensionnel, les gars, essayez de son voir à tout son de là. Et j'ai réussi à faire ça. Mais après, il y a Kourani et Plug New Farang qui fait office de arpège au Nufen, tu vois. Ça apporte un petit côté assez rythmé. Mloudou est à Fantala. Et je m'attendais pas à ça du fait que je me fais gâteau, pas de drone, ni piano, que ça fasse quelque chose de assez groove. Vous voyez, Dougmanana, l'atmosphère de Dougmanana, Madron. Artiste qui a son placé en savant. Mais après, il a son placé. Et c'est ça, au fait, le but même de la composition, moi, je pense. C'est ça, au fait, que le producteur doit viser dans la composition. Il ne doit pas se limiter seulement à ce qu'il fait. Tu vois. Avant, il a fait un reggae qui apporte une touche assez personnelle. Après même avoir reçu tout, toutes les voix. Ouais. Voix reposée, il n'y a pas de courant ni arpège, il ne fera rien après. Et ça apporte une touche assez vraiment sympa. Ouais. Donc, automatiquement, après ça, on met passé percussion, non, les drums. Ce qu'il faut savoir. Percussion au niveau là ça nous agissons en mode frère nous dispatcher comme le doute à tout après là les playlists qu'on a là n'y a tout comme là parce que il faut bien composer généralement c'est ce que les gens font ou bien composer ça sera ou bla playlist qu'on a là ou ticket qui est ou bla partout là bon moi je sais pas particulièrement ma méthode de travail des brackets ce que je fais n'est pas un grand d'air mot bla le composition sur chaque partie mais c'est qu'à fin fin de faire au fur et à mesure quoi vous voyez mais nous blanons à partir on a mesuré temps pour regarder là exactement ce que ça donne. Sinon, normalement, ma méthode de composer, je ne compose pas directement dans les patterns sur le split by channel. Les anciens vont savoir. Mon nom est à la composition maîtrisée d'homme. Il y a Brass d'Orifara qui fait office en fait de basse. Je vais vous dire que vous avez Brass, basse. En fait, sonorité unique d'Orifara, ça apporte vraiment du groove. Tu vois. À la limite, je considérerais comme mélodie au lieu d'une percussion. Vous voyez. Mais il y a la percussion en fait parce que je considère ça comme plus comme une basse qu'une brass en fait. Vous voyez. Bon, allez, bien dit. Puis après une basse courte d'offre à Kassan, allez Bendy. Votre manière de gagner clap en snare d'offre à Kassan, on fait. Ou agencer ou ben yoroma, ou Bendy. Puis après, il y a un autre fragment. Quel est le document octave inférieur là? Quel est le sans fin octave supérieur là? Donc du coup, là, fera les nions, ça donne ceci. Le document, vous flanez. Vous voyez, maintenant, il y a un sans fin. Allez, c'est 5 là. Vous voyez, le document, c'est 4 là. Puis après, on a qui fera ça. Mais cette fois-ci, on a qui duplique le pattern. On a atteint la table de mixage. On a mis la compression parallèle de là. Et au sonorité bien dit.
puis à la toute fin sur la 808 Farahan pour finaliser le tout, car sur la basse fréquence d'audition Massa, au Wendy. Bien vrai que 808 do, mais cette fois-ci avec do majeur octave supérieur à ce niveau-là. C'est fait exprès les gars, parce que 808 Kelengata c'était vraiment profond avec faut do ma témère, bien vrai que basse do, à témère. Donc du coup, il y a là les simples octaves supérieures là pour apporter ce petit côté assez audible, vous voyez, tout en restant dans la gamme des basses, au rebond des fendam. Puis après, on pourra qu'à faire fort sans que ça soit mélodie ou percussion, il se retrouve des canuts dans la playlist qu'à ce vous mixez, au bendy. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo est chère et que ça vous a apporté vraiment un plus. Comme je le dis, abonnez-vous, la cloche de notification activée, les gars, pouce bleu blanc. Ça me permet de faire plus de vidéos et ça m'encourage dans ce que je fais en fait. Donc, du coup, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important, les gars. Amenons ta vidéo. Là. Peace.